1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trouvez-vous une bonne cachette. 4, 5, 6, 7, 8. Cachez-vous très très vite. 6, 7, 8, 9, 10. Prêt, pas prêt, j'y vais. Voilà une grosse oreille que je connais. 1, 2, 3 pour Pacha. Oh, Igor, tu m'as trouvé tout de suite. Oh, je t'ai vu, César. 1, 2, 3 pour César. Hé. Hey. Oh, et 1, 2, 3 pour Cali. Igor, mais ce n'est pas juste. Tu me trouves toujours. Ah, ouais, même quand on a de bonnes cachettes. Oh, je suis un champion au jeu de cache-cache. J'ai des yeux qui voient tout. J'aimerais ça, moi, avoir un bon truc pour que tes yeux ne me trouvent pas. C'est impossible. À moins d'être comme mon ami, Gédéon, le caméléon. Gédéon, le caméléon? Oui, c'est le seul qui se cache si bien que je ne peux jamais le trouver. Tu ne peux jamais le trouver? Mais comment ça se fait, Igor? Je vais vous montrer sa photo et vous allez tout comprendre. Et Gédéon? Le caméléon. Vite, dans le pavillon. Un caméléon, Igor, c'est un animal. Oui, un animal très, très spécial. Oh, voilà sa photo. Enfin, je pense. Mais où est-il, Carapachou? Oh, ici! Ici, vous voyez? Mais Igor, tu deviens coco. C'est un arbre, pas un animal. Je vous l'avais dit qu'il se cachait bien. J'ai des Cherchez encore. Non. On va la trouver, sa cachette. Oh! Je le vois! C'est pour ça qu'on l'appelle Gédéon. Quand on le trouve, on dit « on ». C'est là qu'il était. Mais comment il fait pour se cacher si bien? C'est de la magie? Mais non! Il change de couleur. Il peut devenir noir comme le soir, bleu comme le ciel ou vert comme les feuilles d'un arbre. Oh, le chanceux! Il devient pareil à sa cachette. Bon, on continue de jouer à cache-cache. Et cette fois, trouvez-vous une bonne cachette. Oh, mais je ne sais plus où me cacher, moi. Oh, de toute façon, Igor va nous trouver. Oh, j'aimerais ça être un caméléon. Oh, oui, c'est ça. Oh, on va faire comme j'ai dit. Oh, mais voyons, Pacha, on ne peut pas changer de couleur, nous. Non, mais on peut se déguiser pour ressembler à notre cachette. Oh, 10. Oh. Prêt, pas prêt, j'y vais. Oh, mais on n'est pas prêts, nous. Oh, vite, il faut le dire à Igor. Oui. Oh, 1, 2, 3 pour Cali, Pacha et César. Attends, Igor, on n'a même pas eu le temps de se cacher. Non, mais on a eu une très, très, très bonne idée. Et tu ne nous trouveras pas cette fois. Ah non? Eh bien, c'est ce qu'on va voir, Carapachou. Je compte. Je sais comment faire pour me déguiser. Ah oui? Comme j'ai dit, le tapis. Oui. Là aussi. Oui, mais moi, je ne sais pas. Igor, plus lentement, s'il te plaît. Plus lentement. 6, 7, 6. Si j'étais un caméléon, je deviendrais rose comme le mur. Et Igor ne me ferait pas. Oh non. J'y vais. Oh non, pas déjà. Je n'ai pas trouvé de cachette, moi.
Oh, j'ai une idée. La vieille porte. Oui, oui. Je vais vous trouver, mes petits coquins. Oh, ils doivent pas être cachés bien, bien loin. Oh, personne dans la cour. Oh, je le sais. Ils sont dans le jardin. Oh, oh, Fiu, j'ai eu peur. Je peux aller me cacher à la bonne place maintenant. Yeah. Mais personne. Mais oh, ils doivent être cachés dans la maison. Oui. J'ai fait comme Gédéon et personne ne m'a vu. Oh. Oh. Oh, oh, vous ne mourrez pas comme ça. Je vais vous trouver, Carapachou. Ça marche. Avec mon déguisement de porte, je suis Pacha, le caméléon. Oh, non, pas là. Peut-être dans le débarras. Mais non. Oh, 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 Carapachou, qui a laissé traîner un gros coussin. Oh, non, mais où sont-ils? Pas mal, mon petit costume de caméléon coussin. Oh, ça ne se peut pas, Carapachou. César, Kali et Pacha ne sont nulle part. Oh. Oh, je sais, ils ont dû sortir. Fiu, j'ai eu peur. Kali, César, on a réussi. Hourra! 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 On est des caméléons comme Gédéon! 1, 2, 3, 1, 2, 3, trouvera, trouvera pas. On est des caméléons. Si tu veux trouver notre cachette, tu auras besoin de lunettes. On est pareil à ce que tu vois. Tu ne le sais pas, mais on est là. Si tu sors de la cour, je vais te jouer un bon tour. Pousse la porte et voilà, tu ne sais pas que c'est moi. Tu me vois? Oui, c'est moi. Et puis tu ne me vois pas. Cherche bien, cherche bien. Je suis devenue un coussin. Tu ne vois que des feuilles, mais attention, ouvre l'œil. À travers le buisson se cache un caméléon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, trouvera, trouvera pas. On est des caméléons. Si tu veux trouver notre cachette, tu auras besoin de lunettes. On est pareil à ce que tu vois. Tu ne sais pas, mais on est là. Mais où êtes-vous, Carapachou? Oh, vite, vite, cachons-nous! Oh, oui, oui, oui! Oh, oh non! Oh, oh là 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 là! Oh, ils ont disparu! Je ne les trouve plus! Oh, c'est sûrement parce que j'ai mal cherché! Voyons, voyons! Oh, la porte bouge. Il y a quelqu'un de caché là. La porte est mal clouée. Je vais arranger ça, moi. Arrête, arrête, Igor, c'est moi. Oh,
Un, deux, trois pour Pacha. Et maintenant, je vais voir s'il y a quelqu'un de caché dans le jardin. Le caméléon, lui, n'est pas obligé de tenir une grosse porte pour se cacher. Pacha, viens vite! Oh non! Oh, oh non! Il va trouver César! Pacha, tu ne trouves pas que la statue ressemble à César? Oui. Non. Tu crois? Achou! Pourquoi tu dis « oh »? Oh, pauvre buisson! Il a besoin d'eau, il est tout sec! Non, Igor, ne l'arrose pas! Il va pleuvoir! Non! Oh, un, deux, trois pour César! Oh, chut! Et maintenant, autour de Kali, dans la maison peut-être? Non! Oh, non! Mais qu'est-ce qu'il fait, Igor? Je suis fatiguée de rester sans bouger. Ça fait du bien de s'asseoir. Oui. Carapachou, j'ai du mal à chercher tout à l'heure. Tu m'écrases les pieds. C'est pour te cacher, attention. Oh, je ne comprends pas. Oh, Kali doit être dans la cour. Youpi! Un, deux, trois, j'ai gagné! Tu t'étais déguisé en coussin! Oh, vous m'avez bien eu tous les trois. Une porte, un buisson... et un coussin! On a fait comme ton ami, Gédéon. Le caméléon. Oui, on s'est déguisé pour ressembler à notre cachette. Eh bien, à mon tour de jouer au caméléon. Et vous ne me trouverez pas. Non! Ah bon? Thank you.